qui est là? On joue au baseball. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu veux jouer? Très bien. Attention! Je l'ai! Oh! Ça alors? Un train? La chose, t'étais tellement jeune! Ça me brise le cœur! Oh non, non, non! La chose! Non! Tu le tueras pas, sale monstre à vapeur! On dirait bien que le train est détruit! Oups! Oups! Oh, c'est quoi cette pagaille? Quoi? Mon train! Qui t'a fait ça? Mommy t'aime! Toi! Oups! Je suis innocent! Tu vas devoir me rendre des comptes, espèce de main diabolique! Non! M'enferme pas! Je peux avoir un autre coloc? Comment tu vas ces derniers temps? Comment je vais te sortir de là? C'est le seul moyen! Quoi? Un train? Waouh, ce nouveau train est superbe! Je l'adore! La chose, tu peux y aller! Retourne à tes jeux de main! Allez, ton temps de visite est terminé! S'il te plaît! Je peux payer la caution de la chose? Non! Mais tu sais quoi? Si cette vidéo obtient 50 000 likes, j'y réfléchirai! Hé, les amis! Aidez cette vidéo à atteindre 50 000 likes pour qu'on puisse libérer la chose. S'il vous plaît! Comme d'habitude, il y a du bazar et c'est moi qui nettoie. Comme j'ai l'intention de construire un nouveau train, j'ai besoin de matériaux. Mais où est-ce que je pourrais en trouver? J'ai une idée! Je vais incliner un peu l'image. Je vais t'emprunter ces cure-dents. Merci. Tu peux y aller. Bonne journée. La clé, c'est de bien faire cuire les cure-dents. Les nouilles, dégagez. La recette est simple. On recouvre les cure-dents d'eau bouillante. On laisse reposer pendant 5 minutes. Et voilà ce que ça donne. J'ai plein de planches maintenant. Super. J'ai besoin de mon outil de travail principal. Le voilà, mon irremplaçable bébé. On va utiliser la guillotine. Fabuleux. J'ai besoin de plus de barres. Nickel. Prochaine étape, le tir de clou. C'est la façon la plus rapide d'assembler une structure. C'est parfait. Coloc, t'es fichu. Jeté à l'œil. T'as raison, ouais. Tu fais bien d'avoir peur. Rira bien qui rira le dernier. Je vais muscler mes doigts comme jamais. Repas. À manger. Ton repas, la chose. C'est ma bouffe. Loser, t'aurais dû aller plus vite. Tu sais pas à qui tu t'en prends, coloc. T'es chatouilleux? Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui a fait ça? Toi! Non, non, non! J'ai compris, me tue pas! Au secours, la main m'a attaqué! Je vais comparer ce que j'ai fait avec le dessin.
J'ai besoin de panneaux en bois. Où est-ce que je vais les trouver? Oh, j'ai une idée. Je croise les doigts pour que ça marche. Non, j'ai besoin d'un bon rouleau à pâtisserie. Voilà qui est mieux. Je ferais mieux de prendre un autre train. Merveilleux! Mes cours de cuisine auront été finalement utiles. Pfiou! Je crois que je l'ai suffisamment étalé. Il faut tout mesurer maintenant. Et je coupe. Voilà! Un train sans parois, ça n'a pas de sens. Magnifique. On a besoin d'une fenêtre ici. Le problème, c'est que je sais pas comment faire. Je vais utiliser une vieille fenêtre. C'est simple et efficace. Cette fenêtre convient en plus. Nickel! C'est la taille parfaite. Je vais aussi prendre ça. Voyons voir. Merveilleux. Le toit est en place. Oh, j'ai oublié l'autre fenêtre. C'est bon, je gère. Étonnamment, c'est un rectangle parfait. Trop cool! Oh non! J'ai oublié l'avant du train. Ouf! Allez, mercredi, t'es forte! Super! Ensuite, je vais bien l'attacher. Je dois faire un trou pour passer une cheminée. Ce vieux cône fera l'affaire. Oh oh! Il me faut des roues maintenant! J'ai trouvé ces roues dans la benne à ordures. Mais il y a un truc qui cloche. Elles sont trop jaunes. J'ai une idée! Je vais faire griller les roues jusqu'à ce qu'elles soient bien croustillantes. On patiente un peu. C'est bon! Super! Les roues sont prêtes. Comment elle a atterri dans notre cuisine? Ces roues macabres sont canons! Le train est pas assez fun. J'ai besoin de peinture. Oh là là, c'est hyper cher! Quoi? Celle-là est en promo! J'achète! Malheureusement, c'est de la peinture blanche. Mais je vais arranger ça. Dis adieu à ton ancienne vie, peinture. En plein dans le cœur. Oh, ça a une odeur de sang. Quelle belle couleur! Oh, ma chanson préférée. C'est juste parfait. Vous avez oublié la chose? Je vais aller voir. Oh, les amis, on a besoin de plus de likes. Allez-y! Je crois que j'ai besoin de dormir un peu. Je continuerai la construction demain. Quel joli train! Oh non, le train de chouchou a été mordu par une araignée. Je vais bientôt sortir d'ici. Doucement. La chose, t'as un nouveau coloc. C'est moi le boss ici. C'est ce qu'on va voir. Oh. Au! Mes tendons! T'es cinglé? Défends-toi! Je vais te faire la prise du dragon!
Uh-oh. Une sortie. On fait la paix? Viens, bro, on y va. Je peux me joindre à vous, les amis? T'es prête? Surprise! Comme il est beau! C'est le train de mes rêves! T'es le plus beau train que j'ai jamais vu. Il est magnifique! Il te plaît? Il est encore mieux que mon dernier train. Il est temps de partir pour une aventure effrayante. Au revoir, mercredi! La chose! T'es sortie! Cool! Maman, on va louper le train! Oh, coucou bébé! J'arrive! Allez, viens! C'est enfin nos vacances Long Legs. Et voilà notre train. Le train Poppy Play. Huggy, tiens nos billets. Quant à notre bébé, on va faire des folies avec elle. Je plaisante, elle est encore trop petite. C'est nos toutes premières vacances en famille. Mon chapeau! Je vais l'attraper, chérie. Les parents, vous allez où? Ma poupée! Hé, hey, vous avez oublié votre gamine ici. Coucou! Toi? Aouh! T'as pas arrêté de m'embêter, hein? Il est temps pour toi de grandir un peu. Tu vas partir toute seule en voyage. S'il te plaît, fais pas ça! Tu peux plus me donner d'ordre maintenant. Mais en y réfléchissant bien, si cette vidéo atteint 50 000 likes, je tirerai peut-être pas sur le levier. S'il vous plaît, aidez-moi! Lâchez 50 000 likes pour cette vidéo. Comme ça, je pourrai retrouver ma famille. Nope! Hasta la vista! Fais bon voyage, baby long legs! Où est le train? Il est parti. Au revoir, le train! Avec un peu de chance, on ne se reverra plus jamais. Oh, ses parents! Chérie, c'est dangereux de porter un chapeau dans une gare. Où est le train, d'ailleurs? Oups! Monsieur Huggy, où est passé le train? Votre train est parti. Oh non! Comment t'as pu laisser partir le train avec notre bébé à bord? Quand est-ce que le prochain train arrive? Oh, il sera là dans 5 minutes. Et 6 jours? Oh, mais quel cauchemar! Je peux... Excusez-moi? Bon ben, débrouillez-vous tout seul. On a perdu notre enfant. Oh, la poupée préférée de notre bébé. C'est tout ce qui nous reste d'elle. Chérie, pleure pas, ça va aller. Je suis une si mauvaise mère. Du calme, j'ai un plan. On connaît le trajet du Poppy Train. On n'a qu'à construire notre propre train pour partir à la rescousse de notre bébé. C'est une super idée, allons-y. Doucement, faut déjà qu'on construise le train. Oh, j'ai mal à la nuque. Ils ont l'intention de construire un train, c'est ça? Poppy, elle, a ses propres projets. Pour commencer, on a besoin d'un plan pour construire notre train. Va nous falloir des planches aussi. Qu'est-ce que tu regardes? Pinocchio. Salut, Long Legs. Hello, tu pars en vacances? Viens voir un peu par là. Oups! Je vais pouvoir mettre mon plan malicieux à exécution. Oups! Pose-toi ici. Tu vas pas avoir besoin de ta valise. Ça sert à rien de résister. Oh, mauvais outil. T'inquiète pas, bébé. Dis-moi combien font 2 plus 2. C'est correct? Oui. Ouais. Nickel! Pile la longueur qu'il nous faut. Ah waouh, ça chatouille! Super! Pinocchio aime l'école? C'est bien vrai, hein? Ouais? Parfait! Encore un mensonge à la longueur idéale! C'est bon, on a assez de planches! Merci, mon pote! Passe de bonnes vacances! À partir de maintenant, je mentirai plus jamais! On commence la construction par quoi? Daddy, attention! T'as pas vu ma tête? Oh, désolé, chérie! Je devrais poser ces planches avant que je renverse quelqu'un avec mes longs bras! Ça me gratte, c'est quoi? Oh, une visseuse! Il y a vraiment trop de tarés dans cette gare!
Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouf! Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Encore les longues legs. J'ai envoyé un message au jouet. J'ai besoin de votre aide. Merci, chérie. Maintenant, je vais pouvoir visser tout ça en un clin d'œil. Ce chantier est vraiment pas rigolo. Tiens, Daddy. On est là, patronne Poppy. Mes amis, les jouets? On va devoir saboter la construction de ce train. Vous êtes prêts à m'aider? Distrais-les, mon ami en peluche. Je vais t'envoyer là-bas comme un ballon de basket. Oh, il est trop chou, ce nounours. Notre fille l'adorait. T'es aussi content de nous voir, l'ami? À toi de jouer, le train. Gru, descends l'aimant. Vole les vis! Les vis sont capturées. C'est quoi ce bruit étrange? Le nounours! Je vous laisserai pas terminer la construction de votre train. Pourquoi il est méchant comme ça? Bah quoi? Où sont passées toutes nos vis? La boîte est vide, je vais devoir aller au magasin. Pourquoi faire? J'ai de longs bras, tu sais. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bras? Je crois qu'il est temps de réduire ma consommation de soda. Je vais boire de l'eau. Mason? Tu glandes encore! Pourquoi c'est moi qui dois tout faire ici? Où sont les vis? Il y avait un long bras rose grave bizarre et j'ai pas su quoi faire. Les vis sont là. Pose-les sur l'étagère. Allez, hop! Un bras rose. Tu me crois pas? Regarde la caméra de surveillance. Tu vois, je te l'avais dit. Oh oh! Donne-moi une seconde. On a bien besoin de ces vis-là? Super, on va pouvoir monter le cadre. Visse-moi tout ça, momie. Tu me donnes un coup de main, momie? Visse ça, nickel! Terminé! Mais on a encore besoin de ces planches. Coucou Pinocchio! Oh non, pas encore! Oh si, si, si! Oh. Cette goutte me fait penser à du pain grillé. Et Momie est fan de tartines beurrées. Un Jenga! On joue? J'ai pas joué au Jenga depuis un bail. Qu'est-ce que je pourrais faire? Vas-y, Daddy, t'es si fort et intelligent. Je crois en toi. J'en ai marre de ces bouts de bois. Oh non, je suis piégée! Je dois me retransformer en poupée. Daddy, c'est pas si grave. Qu'est-ce que c'est? Une poupée Poppy? Regarde le bocade qu'on a fait. Je suis le meilleur des bricoleurs. Et avec ça, on va pouvoir faire des roues. On a besoin d'un grand compas pour faire des roues bien rondes. Parfait! Momie, tu vas couper les roues avec cet outil. Nickel! Roule, petite roue! Ensuite, on fixe la roue au cadre. Elle tourne parfaitement. Allez, aux autres! On gère trop! Super, ça fonctionne! On a besoin d'une planche de bois. Je sais où on peut en trouver une. Ouh! Il se passe des trucs de ouf sur les chantiers. Daddy, pourquoi on a besoin de ça? Utilise un peu ton imagination. Quoi? Notre imagination nous guidera vers le train de nos rêves. Mais il manque le capuchon. Daddy, bouge. C'est une super nouvelle, ça. On a besoin d'une perceuse. Quoi? Ma tasse! C'est lui! Non, c'était elle!
C'est de sa faute. Toi? Toi? Les amis, vous avez vu lequel de ces deux-là a fait tomber ma tasse? Dites-le-moi en commentaire. C'était lui! Mais non, elle! Waouh, on s'en est trop bien sortis! Mets ce casque, ma puce, ça va être bruyant. Quoi? Ah, ce silence est plus sympa. Ce casque marche trop bien. Daddy, t'es où? J'ai eu l'impression de plonger dans le trou noir du silence. Et ouais! Ça va te prendre du temps pour couper ce carton avec mon CD de musique. Chérie, laisse-moi m'occuper du reste. Oh, j'adore le saxo! Quelle belle chanson! Tu veux chevaucher les vagues de la musique, chérie? Hein, quoi? Boop, 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 boop! Tidididididou! J'adore le sax! Tais-toi, le bout de bois! Daddy, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de chanter! Désolée, momie, j'ai pas le bon disque. Et je vais pas pouvoir faire quoi que ce soit avec ce truc. Très bien, je m'en charge. Je retourne au magasin. C'est un répulsif contre les monstres. Ils pourront pas entrer comme ça. Oh, un autre bras! Sauf qui peut! Oh, je suis pas là. Il nous faut un meilleur plan. C'est bien ce disque? Merci, chérie. Tu nous as encore sauvé la mise. On peut continuer à travailler. Oh, il brille fort, ce phare! On va installer les poutres, maintenant. Avoir de longs bras, c'est un vrai avantage sur un chantier. Soulève! Qu'est-ce qu'on doit faire encore? Trouver un tuyau, peindre, polir? Hey, qui c'est ça? Hey, je pars allumer la flamme olympique. Je dois juste reprendre mon souffle. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Attends une seconde, Mister Olympique. Coucou toi! Oups! Hey, t'es nouveau? Ouais, et d'ailleurs, j'ai besoin d'une nouvelle torche. Comme tu tombes bien. C'est la cheminée parfaite. Je dois juste éteindre la flamme olympique. Oh, de la fumée, c'est exactement ce qu'il nous faut. Notre train va bientôt pouvoir quitter la gare. Chérie, j'ai apporté de la peinture. Attends, c'est du blanc. Notre train doit être coloré. Mon train est blanc. Ah, mais parce qu'il n'est pas encore peint. Stupide long legs. J'ai une idée. Papa, c'est pas le moment pour compter l'argent. C'est bien, regarde. On a du vert. Waouh, t'as raison. Avec quoi on pourrait faire du jaune? Ah, Daddy. Quoi? Prends ce pot de peinture. Je vais te faire pleurer des larmes jaunes. Regarde ça. Non, ça me fait rien. Ok, tu résisteras pas aux oignons. Mais non, j'ai pas peur des oignons. Comment je pourrais te faire fondre en larmes? Je connais un moyen. Quoi? Une notification de la banque? Combien? Chérie, je suis allée faire du shopping. J'ai acheté plein de trucs. Oh non, mon argent! Maintenant, on a de la peinture jaune. Comment on peut trouver du bleu? Oh, Huggy Wuggy! Oh, ma tasse encore! Comment on peut être aussi agaçant? Tap là! Une pincée de la fourrure d'Huggy Wuggy. Et on a de la peinture bleue. Il nous faut encore de la peinture rouge.
Tu veux pas tout simplement chercher de la peinture rouge? Tu peux le faire. Ok, j'y vais. Ça y est, elle est là. Je l'ai eu. On te tient. Qu'est-ce qui se passe? Ma main est coincée. Faut qu'on aille voir ça. Allez, viens. Bim! On t'a chopé, bras géant. Oh! Quelle bande de sauvages! Tout ce qu'on voulait, nous, c'était de la peinture. J'en ai assez. Allez, viens, Mason. On met le magasin en vente. Ce chantier interminable m'épuise. Quand est-ce qu'on aura fini? Va prendre une pause, chérie. Je vais m'occuper de la peinture. Super! Je vais grignoter pendant ce temps. Waouh, bébé, t'as déjà terminé? Mommy, je suis rincée. Je sais, chérie. Regarde! Notre bébé! Oh, elle me manque tellement. Moi aussi. J'ai besoin de faire une sieste. Oh, une sieste! Vous allez voir ce que... Oh, Baby Long Legs! C'est son journal intime. Elle aimait tellement jouer avec moi. Tu me manques aussi, baby. On sera à nouveau bientôt réunis. Je vais les aider à terminer ce train. Par quoi commencer? Des outils? Non, il n'y en a plus besoin. De la déco? Non, c'est un train. Des roues? C'est trop lourd. Je laisse tomber. Oh, un pop tube. Il est super long. Je sais. Je vais faire un grand ressort coloré avec un pop tube et du fil de fer. Wow! C'est puissant ce truc. Qu'est-ce que c'est, un œil? Cool. Maintenant, le train peut voir où il va. Je vais découper une grille. Oh, wow! Oh, je suis plutôt gentille en fait. Cliquetti-clac! Ce qu'il faut ici, c'est des boutons et un beau panneau de commande. Kissimissi, tu m'aides? Désolée, va falloir faire preuve de patience. Tiens, regarde comme ça rentre trop bien. On va tout coller ici. Et je vais embellir le train avec des néons. Et voilà! Salut, on est à quelle station? Salut bébé, tu descends ici? Ah! Bye! Bizarre! Il y a un truc qui manque. Mais oui, un levier rond. Waouh! Une poignée. Oh non! J'ai lancé le train à vapeur. Viens, il va partir d'une seconde à l'autre. Mommy, Daddy, réveillez-vous. Le train va partir. T'es qui, toi? T'as son journal intime? Du calme. Je suis Poppy, la poupée de votre fille. Quoi? T'aurais dû le dire tout de suite. Poppy, notre bébé t'aime tellement. Dépêchez-vous, il faut monter dans le train. On est en retard. Votre attention, chers passagers. Le train Playtime va partir. Vite, montez dans le train. Mais si on dormait, alors qui a fini de construire le train? Allez! Huggy, arrête le train. On n'a qu'un tout petit peu de retard, sinon on verra jamais Baby. Le train est parti à l'heure. Et l'heure, c'est l'heure. Oh non! Comment on va retrouver notre bébé? Pourquoi ça nous est arrivé? Tout ça, c'est de ma faute. Et ben voilà, maintenant Poppy est partie elle aussi. Il nous faut un autre plan. Et si on construisait un avion? Mommy, Daddy! Oh, Baby Longlegs, te revoilà!
Tiens ta poupée. Piou. Merci Playtime, t'as l'air d'aller bien.